Et lui à tous et à toutes, hein, c'est Bestie. On se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour la suite de Rapsolus de Knack sur PS4. C'est parti les amis. On va essayer de finir enfin ce chapitre qui nous fait de l'œil depuis pas mal de temps quand même. Hop, je vais. Ouais, j'ai baissé un peu le son parce que c'était un petit peu fort. Et c'est parti. Alors, il me semblait qu'il y avait des reliques par là. Non, c'est bon, je les ai déjà pris, ok. Donc on va continuer, on va essayer de finir comme j'ai dit ce chapitre. Donc j'espère que je vais affronter le boss dans pas longtemps. Oh, mais ne partez pas, je suis gentil. Voilà, en sachant que pendant pas mal de temps on va pas trouver de trésor. Il n'y aura pas de trésor pendant pas mal de chapitres. Oula, oula, d'accord. Ça commence bien. Ouais. Putain, je voulais esquiver, mais apparemment, c'est bon. Il faut aller par là-bas. Voilà, donc là, je peux soulever une voiture. Là, il n'y aura pas de grandes difficultés. Hein. Faut juste, voilà, essayer de suivre le chemin. Alors là, essayer de prendre des voitures pour... pour les envoyer, voilà, dessus. Parce que vous voyez que les avions vous attaquent et ils font très très mal, ceux-là. Donc, essayez de les neutraliser le plus rapidement possible. Des reliques, toujours des reliques. On avance, on avance. Tiens, il y a des reliques pas loin. Donc, ça doit être là-dedans. Des reliques. Je veux devenir encore plus grand. C'est moi! Vous ne faites pas le poids, mes amis. Alors, ce qui est pas mal, c'est que si on devient assez grand, même si on nous attaque, on ne sentira pas les dégâts et Knack ne sera pas arrêté. Donc, évidemment, vous perdez de la vie, mais ça n'aura pas d'impact sur, sur le gameplay, donc c'est plutôt pas mal. Donc, on fait attention aux mines, qui ne sont pas très, très bien cachées. Alors, essayez d'attaquer d'abord le robot, parce que le char, après, c'est le plus facile à avoir. Le robot, voilà, vous cassez un petit peu voilà. Tiens, il y a encore des reliques, là. Merci. On continue. Alors, ce qui est assez dommage, c'est que les voitures, on peut pas les casser, parce que normalement, chaque voiture contient des reliques. Et c'est bizarre, on peut pas les casser, donc bon, bah, c'est pas grave. Tac, tac. Ah oui, alors lui, il lance ses disques. Et en plus, les mines, là, elles sont... Voilà. Alors, lui, il contenait des reliques. Ah ouais, mais j'ai tout à fond, donc évidemment, on me donne rien. Alors là, il va y avoir peut-être une petite cinématique. Voilà, bon. C'est encore une petite interaction sympathique, mais qui ne sert à rien. Continuons, continuons. Donc toi, tu vas me lancer ton truc qui sert à rien. Voilà. Là, on a les deux robots. Ah oui, alors, on a le truc qui vole aussi. Alors faites très bien attention. Ah, voilà, évidemment. Comme par hasard. Oula. D'accord. Putain. Vous avez vu la vie que j'ai perdue? C'est un truc de fou. Putain. En plus, l'autre, il continue à m'envoyer ses machins. Ah, évidemment. Alors ça, j'adore, parce que c'est les missiles téléguidés. Vous savez, c'est le char qui envoie les missiles, mais les missiles peuvent changer de trajectoire pendant qu'ils sont en l'air. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Donc voilà, faites bien attention à l'hélicoptère là qui... Enfin l'hélicoptère ou l'avion, voilà, qui vous tire un putain de truc. Putain, mais toi tu vas crever, oui. Voilà, et je me fais toucher. Non mais... Oh là là, oh là là là. Je me fais toucher après avoir tué l'ennemi, quoi. C'est vraiment... Et du grand n'importe quoi. Ok, donc on casse tout ce qu'il y a dans la zone et on continue. Alors, les vidéos qui vont suivre vont être assez courtes. Je vais essayer quand même de vous en mettre pas mal d'affilée, comme ça,
Bah, ça ferait comme si c'était une vidéo normale de 40 minutes. Même si ça n'est pas le cas, évidemment. Ok, alors j'ai récupéré... Attends, j'ai récupéré toute ma vie, là? Ok, mais comment est-ce possible? C'est assez bizarre. Putain, nac... Nac vraiment, vraiment massif, là. Qui est assez joli, d'ailleurs. Alors là, je pense qu'il y aura une cinématique. Ah, non, même pas. D'accord. Alors ça, c'est encore les cinématiques qui servent strictement à rien. Bon, toi, tu va-t'en. Hop. Alors, je vais peut-être vous montrer les big super pouvoirs. Tac. Tiens, toi, prends une voiture dans ta face. Voilà. Ouais, je vais essayer de... Tiens, là, il y a des cristaux. Et là, il y a de la vie. Alors il y a des chars. Ouais, je vais vous montrer mes... Merde, putain, super génial quoi. Je vais essayer de vous montrer les big pouvoirs vraiment quand il y a beaucoup d'ennemis. Parce que là ça sert à rien avec deux chars. Les avions, on les fume. Un gros char qui se ramène. Alors lui, je l'aime pas, il me semble. Bon, déjà ça, je l'aime pas du tout. Et voilà. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Continuons, continuons. Coucou tout le monde. Alors, un autre gros char qui se ramène. Hop, il est mort. Alors là, allez tout là-bas. Voilà, tout en haut à gauche, car vous avez voilà des petites choses qui se cassent. Des cristaux notamment. Et voilà, de la vie si vous en avez perdu. Mais là, à mon avis, je crois que je suis arrivé au maximum de reliques que je peux avoir. Donc, bon bah, ce n'est pas grave. Je suis surpuissant. Tac. Donc un petit peu d'escalade, ça fera pas de mal. Hop, on change pas de chapitre, tout va bien. Voilà, et puis il me semble que bah, juste après l'escalade, on aura le boss du niveau. Alors là, évidemment, on fait gaffe au feu. Ça, c'est toujours une phase que j'ai détestée. Voilà, là on fait gaffe parce que je me suis pas à voir à un moment, je suis mort comme une merde ici. Tac tac, hop, descend, voilà. Alors peut-être que si justement après c'est le boss, je vais peut-être enchaîner directement. Donc fusionner le chapitre, allez! Putain, ça c'est chaud ça hein. Hop. Voilà, donc le boss il est juste là-bas, hein. Vous le voyez, le gros robot à côté de l'avion. Donc je pense qu'on va fusionner le chapitre du boss comme j'avais fait bah, avec avant quoi. Comme ça sera bah, beaucoup plus facile pour moi. Tuez bien l'avion parce que sinon il va vous emmerder. Voilà donc bah, en plus ça fera une vidéo assez longue donc ça tombe bien. Donc la vie je la fonds. Alors moi j'aime bien parce que on vous donne le boss à faire. Voilà, oh putain. Voilà. Il y a le. Allez, mais... Putain, mais tu... Et voilà, voilà, j'en étais sûr. Voilà. Donc, j'aime bien, parce qu'on vous donne un boss. Donc, généralement, bah, toute votre vie est indispensable. Mais on vous donne des ennemis juste avant, qui, bah, évidemment, vous éclatent. J'adore. Alors, tu as gardé le meilleur pour la fin. Bien.
Tu veux que j'attende pendant que tu t'installes aux commandes? Je te préviens, je ne suis pas d'humeur très patiente. Tu as tout faux. Il n'y a rien à commander. Cette unité de combat est entièrement autonome. Je n'ai qu'un seul ordre à lui donner. Alors tu vas pouvoir profiter du spectacle pendant que je réduirai ce gros tas de ferraille en miettes. Tue-le! Alors, donc chapitre 7-5, le robot de Gundar, donc qui est le boss. Ça sert à rien que. Oula. Ça sert à rien que je fasse une vidéo à part juste pour ça, parce que ça va durer 3 minutes. Donc voilà. Alors, le boss en soi n'est pas très dur. Hein. Faut juste connaître ses patterns. Donc ses différentes actions. Putain. Et puis voilà, tout simplement, après, vous pouvez le poutrer. Alors là. Voilà, donc faut le taper. Il va changer de. Merde. Tu es trop lent. Non, je ne suis pas trop lent. Je peux le battre. Tu es faible, comme ces humains qui te tiennent en laisse. Merde. Ok, alors là, faut faire gaffe parce que sa boule vous emprisonne en fait. Et après, il va venir vous taper. Toi, tu te tais. Tac tac, alors ça j'aime pas du tout. Qu'est-ce qu'il va me faire? Voilà, il va me faire ça. C'est ça que j'aimais pas. Voilà, deuxième phase accomplie. Et retraite. Oh le bâtard. Alors, vas-y, viens. Vous n'avez même pas à utiliser votre super pouvoir normalement. Hein. Mais moi je vais l'utiliser parce que je suis un fou. En plus vous voyez que ma tornade dure plus longtemps parce que j'ai eu la double puissance. C'est parti, les amis. Comme vous dites. Nak, il est temps d'achever cette mission. Allons détruire leur armée. Enfin, ce qui reste de leur armée. Quand vous en aurez terminé avec Gundar, rejoignez-nous dans les ruines du désert pour trouver cette fameuse fresque. Allez, Lucas, on a une expédition à préparer. Des canons anti-aériens. Impossible d'atterrir. Je vais essayer d'arrêter l'avion juste au moment où on atteindra la falaise. Merci, Charlotte. Nak, devrais pouvoir réparer le moteur, mais on va avoir du mal à démarrer à nouveau. Essaie de voir si tu peux trouver des reliques. Je vais avoir besoin que tu deviennes le plus grand possible.
Et voilà, et nous arrivons donc au chapitre 8, hein, le B.A.B.A. Et bah ça sera dans une prochaine vidéo, voilà, donc j'espère que celle-ci vous aura plu, et on se retrouvera pour la suite de NAC. Prenez soin de vous, y'a plus tout le monde, ciao ciao.